Quand t'es pas chez toi, mec, tu fais quand même Happy Vlogmas champagne. Tiens, joue pas. Happy Vlogmas numéro 8, les icônes. Chin. Just hear those sleigh bells jingling, ring, ting, tingling too. Come on, it's lovely weather for a sleigh ride together with you. Outside the snow is falling and friends are calling you. Come on, it's lovely weather for a sleigh ride together with you. Je peux te l'enlever le soir. J'aime trop ça, je sais pas si tu veux voir. Et en fait, je reviens pour le vlog de demain, juste pour vous dire que j'ai acheté un correcteur ici. C'est le Catrice Liquid Camouflage. Donc je reviens pour vous parler de ce produit, parce que genre, je l'ai acheté pour faire le test first impression, mais j'ai pas pu attendre parce qu'il n'y en avait plus, du coup je l'avais déjà utilisé. Et comment vous dire, en fait j'ai regardé sur internet des reviews juste après l'avoir acheté et j'ai vu que c'était comparable au Tarte Shape Tape. Le correcteur, et franchement tout le monde disait ouais tout c'est un truc de fou ce correcteur et tout, c'est 3,69€. J'ai été aujourd'hui m'en racheter deux juste pour vous dire à quel point c'est un anti-cerne super bien, parce qu'en fait moi à chaque fois que je trouve un bel anti-cerne qui coûte pas cher, à chaque fois il n'y en a plus après et il n'existe plus, du coup là j'en ai acheté direct deux. Et si vous voulez un anti-cerne super couvrant, crémeux, qui file pas dans les plis et tout ça, je vous conseille vraiment celui-là, parce que voilà, moi je suis amoureuse de celui-là, je le mets tous les jours et j'adore. Je crois qu'il y a trois couleurs, je trouve ça pas ça énorme pour des correcteurs, mais il y a light naturel, donc c'est le mien, t'as fair qui est un peu plus jaunâtre, et puis après t'en as encore un autre. Il n'y a pas vraiment de couleur pour les peaux encore plus foncées, mais je trouve ça dommage, parce que c'est vraiment un super correcteur. Et je suis là aussi pour vous montrer qu'est-ce que je fais comme soin avant d'aller dormir. Comme j'ai des extensions, je peux plus trop utiliser des baumes, des maquillons, ça parce que c'est trop gras. Du coup je suis obligée d'utiliser de l'eau micellaire. Mais la première chose que je fais, c'est que je me nettoie les mains avec une lingette désinfectante pour les mains que j'ai acheté chez Axum hier. Enfin, c'est avant-hier vu que c'est le 8 demain et que ce vlog sera posté le 8. Un connu qui fait des études de médecine m'a dit que c'était beaucoup mieux de se frotter les mains avec un gel désinfectant ou avec des lingettes désinfectantes que de se laver les mains. Que c'était beaucoup plus efficace avec un gel désinfectant. Du coup, moi je l'écoute. Ensuite, je me démaquille avec une eau micellaire que j'ai reçue gratuite. De chez Bioderma, j'allais m'en acheter une, c'est pour ça parce que j'en utilisais pas avant. Génial, franchement elle est super. J'adore vraiment mes extensions, parce qu'hier j'en ai pas vraiment parlé, mais j'ai adoré mes extensions parce qu'elles sont super naturelles. C'est pas un volume russe quoi, tu vois. Et puis après, je verrai peut-être après, mais pour l'instant c'est génial. Si vous voulez savoir où j'ai été, si vous habitez à Bruxelles, je peux vous le dire en message privé. Donc si vous voulez savoir, venez me le dire en MP sur Instagram ou sur Snapchat quoi. Puis je passe un petit coup de pion comme ça dedans. En dernière étape, j'utilise mon Mario Budescu. J'adore. En fait, c'est de l'eau de rose, de l'aloe vera et des herbes. Et en fait, j'adore faire ça, mais et sinon je fais un jour sur deux, j'utilise un gel moussant pour vraiment enlever les impuretés. Ensuite j'utilise un sérum de chez Ilamide pour avoir du glow. C'est parfait. Alors moi ce que je fais, c'est que je prends une pipette, je masse dans mes mains et je masse sur ma peau. J'utilise ma crème Aubrey que j'avais commandée sur iHerb. Puis la dernière étape, j'ai un avec un baume regard. Ici, c'est celui de Vichy, je le termine, on ne sait même plus voir ce qu'il y a. Maintenant, je vais me mettre en pyjama et regarder des vidéos YouTube, des vlogmas. Et demain, on se retrouve pour aller à Liège. Au Primark et tout avec ma cousine, du coup c'est plutôt cool. Hello les icônes, aujourd'hui je vais à Liège faire du shopping avec ma cousine à Primark et puis on va manger un petit bout dans le centre et tout, vu que c'est ouvert jusqu'à 9h aujourd'hui, donc
let's go quoi. Et si vous me demandez ce que j'ai mis comme fond de teint, parce que souvent on me demande, eh ben je mets le Born This Way de chez Too Faced, j'en ai plus. Enfin je racle le tube parce que c'est vraiment le meilleur fond de teint que j'ai eu de ma vie. En porcelaine, parce que vous voyez ceux de Kat Von D et tout, genre ils sont avec transfert, celui-ci aucun transfert, et genre il rentre bien dans tes pores, c'est pas quelque chose qui va rester à la surface de ta peau, parce que c'est fait avec de l'huile de coco et tout ça, donc c'est super nourrissant aussi, donc j'adore. Si quelqu'un veut me faire un cadeau de Noël, Born This Way. Marché de Noël, chercher un truc à manger parce qu'on a trop faim, et puis après on va aller faire du shopping, et puis après on va aller à la Médiacité au Primark. Du coup là on est au Wazawa avec Jadouille et on va prendre on a quoi. Moi j'ai une nouille chinoise double légumes. Si j'ai trouvé deux pièces pas mal. Et alors ici t'as une robe trop belle, je vais essayer. Évidemment avec ce pantalon ça va pas, mais genre j'aime bien le col. Ça j'aime bien, mais je sais pas sur quoi en fait. Pourquoi c'est ouvert comme ça? Je peux pas partir sans. Là. Il me manque juste celui-là, il est jaune. Chez Abitelia, je sais pas si vous connaissez. C'est Duck. Du coup là on a fini notre shopping dans Liège, dans Liège centre. Du coup maintenant on va aller à Médiacité pour un peu voir le Primark, enfin le Primark. Et bref, le truc comme ça. J'ai acheté un pull de Justin Bieber. Comme vous avez vu, j'ai pas pu résister. Hein. Et dans la voiture j'ai déjà monté le début de ce vlog, du coup je suis très contente. Je suis très organisée. On se retrouve à la Médiacité. Donc voilà, là on est à la Médiacité. Et j'aime beaucoup ce shopping parce que ce shopping il est très grand et le Primark il est génial, il est pas comme ABX, donc c'est plus chouette de venir ici et de profiter parce que tu te sens pas trop encombré, enfin tu vois, c'est pas comme à Bruxelles où t'es en mode tu vois, j'arrête de bloguer, il y a trop de gens qui me regardent, au revoir, ciao ciao. La déco, oh putain je suis trop stylée les gars, oh c'est génial. Oh toi sur ma tête c'est mignon non? Heureusement que ma cousine est là pour me raisonner les gars. Attends parce que là je suis à fond dans mon... Donc, je ne sais pas ce que je fais mais je suis là. Il y a trop des trucs trop cool là. Oh, il y a des... Comment on appelle? Des sucettes, c'est quoi? C'est du marshmallow? Je sais pas si c'est ça. Oh, comment aimable. Oh non c'est Dark Vador, ciao. Je croyais que c'était pour Noël. Les gars, on dirait pas Père Noël, regardez mon gros ventre, c'est parfait. Du coup, on la monte en haut et j'ai déjà un truc de rempli de maquillage, surtout vous me connaissez, hein, vous savez que moi j'aime trop. Et on va voir la déco de la maison. Oh non, j'adore cette chose. Quoi? Ouais, c'est beau. C'est mignon. Pas... Moi, je vais pas mettre ça. Tu vas pas mettre? Non. Moi, je trouve ça confortable, c'est tout chaud. Vous en pensez quoi? C'est beau? J'aime trop cette matière, je sais pas si vous avez envie. C'est une veste ça? Ouais. Tu vas mettre ça dehors? Bah oui, mais pas comme je suis habillée maintenant. Faut que je sois chic. Si je mets les talons, ça va. Mais si je mets pas de talons. Mais la tenue avec la gage, je vais jouer, c'est moche. Je vais pas la porter. Le béret, le béret. Comment on met un béret? Oh mais ça va, c'est stylé. Montre. Il est où le truc brique hein? Plus grand que ma propre voix. On voit pas trop. Ou bien t'as une trop grosse tête. Non c'est encore pire. Non laisse tomber, c'est un peu bizarre hein. Enfin je veux dire, alors autant prendre celui qui était 2€ moins cher là. Ouais mais il était plus clair. Je voulais faire un troisième trou mais c'est 19€ au clair. Si c'est plus même, non? Ouais, elle m'a dit ouais s'il y a du cartilage c'est plus, alors que d'habitude c'est 15€ s'il te plaît. Un magasin que je supporte pas, c'est Cool Cat. C'est vraiment le magasin que je suis jamais rentrée, que je rentrerai jamais. C'est trop cute. Hello darling. Je suis KO les gars. Il est 18h et j'ai vraiment besoin d'un jus de fruits pour me repulper là parce que j'en peux plus, ma cousine aussi.
On a fait du shopping comme jamais. Enfin, shopping comme jamais, ça va encore. Hein. Oh, ça va, il y a pire. Et du coup, là, je suis occupée à chercher quelqu'un qui fait des jus. Donc, j'ai pris le jus Into the Wild. C'est ananas, non? Et dis comment ça s'appelle à Liège? À Liège, ça s'appelle In the Wild. In the Wild. Jus, ananas, pomme, mangue et baby épinard. C'est trop bon. Bon, je vais dire à la dame où je suis. Regardez les gars, j'ai acheté Childish Gambino, c'est 6,99€. 1975, c'est 4,99€. Et Justin, je l'ai perdu celui-là, du coup je le rachète, tu vois. Oh, je disais, j'ai acheté plusieurs CD. J'ai acheté 1975, Arctic Monkeys, j'ai peur que ça tombe. Under the Mistletoe. Et Believe, parce que j'avais perdu. J'étais au Primark et j'ai acheté comment on appelle ça, bref, un gobelet comme ça de La Belle et la Bête pour boire en caramel macchiato, c'est comme chez Starbucks, voilà. Un soutien à 2€, des gants, pompons pour les cheveux, des cintres pour mieux vous présenter mes vêtements que je vends ou les trucs comme ça. Après j'ai acheté deux rechtsrijden en daarna linksrijden. 100 meter linksrijden en daarna links afslaan. C'est pas possible. OK. Après j'ai acheté deux fois des porte-manteaux pour mettre sur mes portes. 100 mètres links. Désolée pour le GPS, hein, voilà. Un porte-bijoux comme ça, je trouve ça beau. Une fois les mêmes. Et ça c'est trop beau. Ça. Et c'est trop trop beau, c'était 10€ au Primark quoi. C'est pas cher hein, pour non. Bon bref, après j'ai acheté ça. Je trouve ça trop trop beau pour ma nouvelle salle de bain. J'ai acheté un pull comme ça, il est trop beau, genre la matière j'aime trop. Et alors il est comme ça, il est joli, j'aime bien. J'ai acheté pour Cédric une tasse de Harry Potter, c'est acheté ses escarpins, pas ses sandales, je sais pas comment on dit. Elles sont trop belles, je peux faire un petit et puis des petites. Ah non, j'ai acheté aussi un pantalon classique au H&M. Et celui-là, j'aime trop celui parce qu'il est rempli court en fait. Et c'est trop trop beau, je vous montre à l'intérieur. Il est 18h47 et on rentre à Bruxelles. T'as acheté quoi là? Des chaussettes. Des chaussettes et des chaussettes. Et un livre. Et un CD. I should be playing in the winter snow, but I'ma be under the mistletoe. Donc voilà les icônes, j'espère que ça vous a plu ce vlog. Et on se retrouve demain pour une nouvelle vidéo. Que ce soit les icônes.